On va se lever et prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Merci parce que c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous vivifie, c'est toi qui nous ressource. Parce que toutes nos ressources sont en toi, parce que tu es la source véritable. Et c'est pourquoi ce matin, nous nous réjouissons, parce que ta présence est bienfaisante, ta présence fait du bien. Merci, nous voulons que cette présence se manifeste puissamment, ardemment, pour que Seigneur nous puissions la sentir, que nous puissions en avoir un bon dépôt de notre vie, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Merci pour la libération intérieure de tes enfants. Que l'esprit soit libéré, que l'âme soit libérée, que l'entendement soit libéré. Au nom de Jésus, te prions ce matin. Béni soit le Père et merci Seigneur. Amen. Nous allons prendre Genèse 5, verset 22 à 24. Genèse 22, à Genèse 5, verset 22 à 24. Et donc, une personne dans la rangée de droite va nous lire Genèse 5, verset 22 à 24. Et un responsable va nous lire Hébreux 11, verset 5. Genèse 22. Genèse 5, verset 22 à 24. Hébreux 11, verset 5. Un volontaire ici, dans la rangée de droite. Genèse 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut point parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que nous voulons être agréables à toi pour expérimenter, pour bénéficier de l'enlèvement. Seigneur, ce matin, agis au nom de Jésus. La vie chrétienne n'a de sens que si non la l'espérance de la vie éternelle, l'espérance d'être enlevé, l'espérance de vivre l'éternité avec toi. C'est pour cela que tu nous as sauvés. Nous voulons partir à ta rencontre. Nous voulons vivre l'éternité. Et il y a une condition à remplir. C'est que nous puissions marcher avec toi pour être trouvé agréable. Et alors tu pourras nous enlever. Alors Seigneur, agis puissamment ce matin au nom de Jésus. Béni soit le Père et merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Il est bien que nous puissions de temps en temps parler sur l'enlèvement de l'Église, sur le retour du Seigneur, sur les choses qui concernent les temps de la fin, sur les choses qui concernent le ciel. Cela a pour but d'édifier, de fortifier notre foi, de nous amener à nous consacrer davantage à Dieu. Savoir que nous ne sommes pas sur la terre pour rien. Si nous vivons au jour le jour, nous vivons parce que Jésus nous a sauvés, et si nous l'a sauvé, c'est pour une destinée éternelle
Amen. Il faut que ce sentiment de vivre la destinée éternelle avec Dieu soit ancré dans votre cœur. Il faut qu'on vive avec cela. C'est pourquoi ce thème est important, se préparer à l'enlèvement de l'Église. Il faut qu'on se prépare à l'enlèvement de l'Église. Parce que l'Église sera enlevée. L'Église n'a pas été sauvée, rachetée. L'Église n'a pas été instituée pour vivre l'éternité sur la terre. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens sauvés. C'est l'assemblée des élus de Dieu. L'assemblée des rachetés de Dieu. La terre est la marchepied de Dieu, mais le ciel est le trône de Dieu. Et s'il nous a sauvés, s'il a fait, s'il s'est bâti un peu sur la terre, c'est pour que ce peuple puisse le rejoindre dans les cieux et vivre l'éternité avec ce Dieu. Amen. Tu es sauvé pour vivre l'éternité avec Dieu. Tu es sauvé pour aller au ciel avec Dieu. Tu es sauvé pour vivre la présence permanente de Dieu dans le ciel, dans le paradis de Dieu. Amen. Et pour cela, il faut se préparer à l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. Les temps que nous vivons nous donnent les signes avant-coureurs des temps de la fin. Que les temps sont à leur fin. Et que bientôt le Seigneur se révélera. Ces temps sont appelés les temps prophétiques. Parce que déjà nous voyons des catastrophes aériennes. Des avions qui disparaissent avec ces passagers. Vous voyez le terrorisme qui sème la terreur. Vous voyez les inondations qui sèment la mort. Ça veut dire que nous sommes dans les temps de la fin. Et puisque nous sommes dans les temps de la fin, il faut que l'enfant de Dieu ait le discernement. Il a la connaissance de savoir que le monde arrive à sa fin bientôt. Et quelle sera ma place dans le ciel? Quelle sera ma place dans l'au-delà? Quelle sera ma place dans l'au-delà de la tombe? Est-ce que je serai avec Dieu ou est-ce que je ne serai pas avec Dieu? Amen. Amen. Le monde sera jugé. Le monde sera jugé. Selon son esprit contre Dieu. Selon son esprit d'inimitié contre Dieu. Parce que Dieu existe et c'est lui qui a créé le monde. Mais le peuple que Dieu s'est acquis connaîtra une délivrance de ses douleurs sur la terre. Une délivrance de ses tribulations sur la terre. Une délivrance de ses catastrophes sur la terre. Une délivrance de la mort qui règne sur la terre, le peuple de Dieu sera vainqueur et ira à la rencontre de son vainqueur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que nous avons cet exemple. Les personnes qui ont vécu l'expérience avec Dieu, l'exemple d'Enoch nous parle. Enoch s'est préparé à son tour. Il s'est préparé parce que simplement il savait en qui il a cru. Il savait celui qui s'est révélé à lui. Dans leur époque, il n'y avait pas la parole de Dieu. Il n'y avait pas cette révélation complète de la parole de Dieu. Mais il avait la révélation personnalisée. La révélation personnelle. Le Seigneur se révélait comme ça à ces individus. Et ces individus-là croyaient à cette révélation, à ces rêves, à ces visions reçues. Et par rapport à ces visions reçues, se consacraient à Dieu. Marchaient avec Dieu. Vivaient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu. Et chacun a une portion de cette parole révélée qui s'appelle la Bible, qui contient toute la vérité. Amen.
qui connaît toute la vérité. Pour avoir le discernement des temps, il faut que nous ayons le discernement des temps au travers de la Bible, des écrits de la Bible, de la vérité de la Bible. Enoch savait une chose. Alors il marchait avec Dieu. Genèse 5, verset 22. Enoch marcha 365 ans avec Dieu et il ne fit plus parce que Dieu le prit. C'est un exemple de l'enlèvement de l'Église. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus la mort. Car ayant, avant l'enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Marcher avec Dieu et être trouvé agréable, voici la condition à remplir pour être enlevé bientôt. Amen. Enoch marcha avec Dieu. Et il a pu trouver agréable. Et puisqu'il a pu trouver agréable, Dieu a fait le miracle envers lui, qu'il ne survit point la mort, qu'il n'expérimente point la mort, mais qu'il soit enlevé au ciel sans mourir. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la mort n'est pas la condition sine qua non pour revoir Dieu. Amen. Amen. On peut aller au ciel sans passer par la mort. Il faut que chacun puisse aspirer à ce privilège. C'est un privilège de ne pas mourir et de voir son corps être transformé, glorifié et aller dans la présence éternelle. Il faut aspirer à ça. Que le Seigneur, je ne voie point le tombeau. Que le Seigneur, je ne voie point le cimetière. Que le Seigneur, il n'y ait point de cérémonie funèbre pour moi. Mais que le Seigneur, tu te révèles à moi pour que je puisse aller aussi. Amen. Parce que la mort, c'est terrible. La mort fait pleurer les siens. La mort engendre la douleur dans la famille. Quand elle apparaît, il faut prier pour ne point voir la mort et être enlevé au ciel à la rencontre de Dieu. Amen. Élie n'a pas vu la mort. Il a été enlevé au ciel. Donc le Seigneur a vu la mort. Il est ressuscité parce qu'il fallait qu'il voie la mort pour vaincre la mort. Amen. La mort est puissante. Amen. Et mettre en évidence la vie et l'immortalité. Yeah. S'il n'avait pas vaincu la mort, il n'aurait pas vaincu la mort. Et la mort aurait régné. Mais puisqu'il a expérimenté la mort, et qu'il est parti aux enfers, et qu'il a vu la profondeur de la mort, alors il est ressuscité. On dit que la mort, je te lis à tout jamais. Ma victoire, j'ai la victoire en toi. Et alors, pour tous ceux qui croiront en moi, ils seront vainqueurs sur toi. Tu n'auras plus d'empreinte sur ceux qui croiront en moi. Amen. Pour être élevé, il faut marcher avec Dieu. Mais comment marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu, c'est quoi? Marcher avec Dieu, c'est se consacrer à lui. Marcher avec Dieu, c'est se consacrer à lui. Enoch veut dire que être consacré. Alors il faut qu'on soit tous appelés Enoch. Parce que Enoch veut dire être consacré. Être consacré, c'est vivre avec le Saint. Les noms comportent en la signification. Et la signification du nom a de l'impact sur notre vie. Mais maintenant que nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ et que le sang de l'agneau qui est puissant nous a purifiés, nous a sanctifiés, si ton nom a une signification contraire, cette signification contraire
n'aura pas d'effet négatif sur ta vie, parce que le Seigneur a neutralisé les effets négatifs et que ta vie est désormais positive. Amen. Il y a des gens, parce que leur nom insignifie à une situation difficile, alors changent de nom, alors que ces personnes sont chrétiennes. Si tu es chrétien, ça veut dire que tu as expérimenté la vie de Dieu. Ça veut dire que la vie de Dieu est en toi. Ça veut dire que tu as connu la sanctification du sang de l'agneau. Ça veut dire que ton péché a été purifié. Ça veut dire que ton existence est sous la puissance, sous l'autorité du sang de l'agneau. Alors, bien-aimé, ce n'est pas le changement de nom qui peut te donner la victoire, mais c'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie qui te donne désormais la victoire sur ta vie. Enoch signifie être consacré. Enoch de marcher avec Dieu, il était consacré à lui et il le fut enlevé. Bien-aimé, il y a des chrétiens qui sont consacrés à ce qu'ils sont. Il y a des chrétiens qui sont consacrés à ce qu'ils ont. Mais il serait mieux d'être consacré au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le chrétien consacré a compris que s'il est vie, il ne vit plus pour lui-même, mais il est vie pour Christ qui l'a aimé et qui est mort pour lui. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente maintenant, si je la vis dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à la croix pour moi. Et puisque si je vis, je ne vis plus pour moi-même, alors, bien-aimé, je ne peux pas et je ne veux pas me consacrer à ce que je suis en tant que chair. Mais je dois me consacrer désormais au Seigneur qui m'a sauvé, à Jésus-Christ qui m'a sauvé, qui est mort pour moi, qui s'est sacrifié pour moi et qui vit l'éternité pour moi. Ma foi de tous les jours, je la vis en lui et je dis: Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Le chrétien consacré, bien-aimé, s'il ne peut pas être consacré à ce qu'il est, il est passé donc au brisement. Sa vie a connu l'expérience du brisement. Il faut que notre vie connaisse l'expérience du brisement. Amen. Parce que Jésus a été brisé, littéralement, à la croix de Calvaire. Et ceux qui sont consacrés à ce qu'ils sont, ceux qui sont consacrés à l'amour, ceux qui sont consacrés à la caractère, ceux qui sont consacrés à leur amour propre, ceux qui sont consacrés à leur personnalité, bien aimé, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu l'expérience du brisement. Il faut être brisé. Jésus-Christ a été brisé. Amen. Une couronne d'épines, l'amour. Un roi couronné, un roi des Juifs, il le dit lui-même, est couronné d'une couronne d'épines. La honte, il a bu la honte jusqu'à la lit. C'était son brisement. Des soldats qui n'avaient aucune valeur pour lui, puisqu'il a fait la démonstration de sa puissance au jardin de Gethsémané. Quand son mort, il a vu ses soldats qui l'a bougé, par terre. Sans même qu'il n'ait prié. Sa puissance, son mort, neutralisée. Alléluia. Amen. Et pourtant, il a accepté que ses soldats s'est foutu. Crache sur lui. Et il n'a même pas dégainé sa puissance. Mais il a accepté le plan. Parce qu'il a accepté le brisement littéral. Jésus.
mari, c'est que tu n'es pas brisé. Si tu fatigues, si tu fatigues tes frères et soeurs, c'est que tu n'es pas brisé. Et si tu fatigues ton pasteur, c'est que tu n'es pas brisé. Ton jus, là, ça tombe. Amen. Et tu n'as plus de jus propre. Mais ce qui agit désormais en toi, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est le sang du Seigneur Jésus. C'est le caractère du Seigneur Jésus. Je ne suis plus moi-même. Mais si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit vu en toi ce matin. Amen. Que Jésus-Christ soit vu dans ce que tu fais. Amen. Que Jésus soit vu dans ta marche avec Dieu. Amen. La foi qui sauve, bien-aimé, est une foi qui transforme pour se consacrer à Dieu. Et là, le chrétien, il dit, je crois. Mais là, il le croit. Il le pêche. Il le repêche. Il le recommence à pêcher. Il le fait sa volonté. Et il est toujours le même. Il a fait ce qu'il veut. Il a dit ce qu'il veut. Il a raconté ce qu'il veut. Il a regardé ce qu'il veut. Il a touché à ce qu'il veut. Il a s'habille comme il veut. Il a marche comme il veut. Il a danse comme il veut. Il fait sa volonté. Bien aimé, tu n'es pas brisé ce matin. Parce que si tu es brisé, tu ne dois pas faire ta volonté. Tu dois faire la volonté du Seigneur. Amen. Tu ne dois pas t'habiller comme tu veux. Tu ne dois pas parler comme tu veux. Amen. Tu ne dois pas regarder ce que tu veux. Tu ne dois pas lire ce que tu veux. Tu ne dois pas te manifester comme tu veux. Amen. Mais ta vie doit être une ligne directrice. Amen. Celle du Dieu vivant. Amen. Celle du caractère du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour que chaque jour tu puisses lui plaire. Amen. Alors, bien aimé, il faut faire la volonté de Dieu. Le feu te briser pour avoir l'assurance que tu seras enlevé un jour avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Marcher avec Dieu, c'est se séparer du monde. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Marcher avec Dieu, c'est se séparer du monde. Ce n'est pas des dons. C'est un avis. Une femme qui accouche d'un bébé,
Et là, en moi, le bébé avec le sang, tout ça. Ah, même si le bébé est sale, couvert de sang, la joie est immense. De laver le bébé, de laver le bébé, de couper le cordon ombilical. Et alors, de le parfumer et de le mettre sur mon nom. Et comme ça, le bébé dit. Et ça touche le cœur de la maman. Elle oublie totalement la douleur. Le Seigneur t'a purifié ce matin. Le Seigneur t'a purifié ce matin. Le Seigneur t'a purifié ce matin. Mais alors que le Seigneur t'a purifié, bien-aimé, il veut maintenant que dans la taille, tu te sépares de tout ce qui est maintenant impur. Il veut maintenant que tu te gardes propre. Tu te gardes maintenant propre pour ne plus retourner maintenant à ce qui est souillé. Il a mis sur toi du parfum, il a mis sur toi de la pommade, il t'a habillé. Tu es beau, tu es incroyable. Il veut que cette propriété soit gardée. Amen. Chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour. Pour dire que mon Père, mon Seigneur a bien pris soin de moi. De me laver, de me purifier, de me pommader et de m'habiller. Alors jamais je n'irai dans les points de nuit. Jamais je ne regarderai la pornographie. Jamais je n'offrirai mon corps au sexe. Jamais je n'offrirai mes volontés à ce monde. Jamais, jamais ma volonté est à lui. Je marche dans sa voie. Je me sens. Alors c'est marcher en se séparant du monde, de l'esprit de ce monde. Et là, faut se séparer de l'esprit de ce monde. Parce que l'esprit du monde, c'est tout ce qui refroidit notre amour. Que j'ai fait, tu l'as mis en moi. Et puis apparaît devant moi avec une latte souillée et tu veux que je te regarde et tu veux que je t'admette dans mon royaume, tu seras à tout jamais empêché de voir ma gloire parce que tu n'as pas considéré ma gloire dans ta vie. Ce matin, considère la gloire de Dieu sur ta vie. Considère ce matin la gloire de Dieu sur ta vie. Car il y a la gloire de Dieu sur ta vie. Sois jamais de la gloire de Dieu sur ta vie. Et c'est par toi de l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde nous engage dans le mensonge. L'esprit du monde, de ce monde nous engage dans l'impudicité. L'esprit de ce monde nous engage dans les fleuves, dans les bonnes compagnies. Compagnie de nana, une bonne nana. Cette bonne nana, elle t'amène à l'enfer. C'est pour un plaisir de 2 minutes. Et ton âme est brisée à tout jamais. L'esprit de ce monde nous engage vers les adultères. L'esprit de ce monde nous engage dans l'hypocrisie. L'esprit de ce monde nous engage vers la rivalité. L'esprit de ce monde nous engage vers les querelles inutiles. L'esprit de ce monde nous engage dans les divisions. L'esprit de ce monde nous engage dans les convoitises. L'esprit du monde nous engage dans l'idolâtrie. Et quiconque aime et pratique ces choses, bien-aimé, sera empêché de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi efforce-toi au prisme ce matin. Efforce-toi à te séparer avec l'esprit de ce monde. Efforce-toi à te consacrer à Dieu. Dieu a le meilleur pour ta vie. Amen. Et alors, tu le verras. Alléluia. Amen. Et donc, il t'est séparé de l'esprit de son
progression. Marcher avec Dieu, c'est être en continuelle progression. Quand on marche, on progresse. On peut certes marcher lentement, mais c'est sûr qu'on progresse. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas rapides, hein, qui ne marchent pas. Il y a des gens qui marchent aussi. Allons-y. Ah non, j'arrive. Mais le temps ça va, j'arrive. Mais la personne fait quand même des pas. Et ces pas-là sont à considérer. Parce que la personne progresse. La personne n'a pas la même santé que toi. La personne n'a pas la même vigueur que toi. Donc tu ne peux pas la juger par rapport à ta marche rapide. Non, il faut la prendre telle que sa marche est. Et il faut glorifier le Seigneur pour lui. Alléluia. Parce que la personne progresse quand même. Alléluia. Il faut l'encourager de faire ces petits pas. Mais ces petits pas là sont de l'ordre de mon Dieu. La personne progresse. Amen. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est être en continuelle progression. Ainsi, mes bien-aimés, Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez de mieux en mieux à votre salut. Sanctifiez-vous de mieux en mieux pour voir Dieu. Connaître de mieux en mieux la parole de Dieu. Ressemblez de mieux en mieux à Dieu pour être enlevé. Bien-aimés, 5 ans, 10 ans, 20 ans de conversion, on reste toujours la même personne. C'est incroyable. C'est pas normal. Ah! 5 ans de conversion, pareil. 10 ans de conversion, pareil. 20 ans de conversion, pareil. Et alors tu espères aller au ciel? Jamais. Alléluia, jamais. Le ciel n'est pas pour les paresseux spirituels. Le ciel est pour les travailleurs spirituels. Travailler à votre salut. Et quand on dit travailler, c'est une labeur. Un travail n'est jamais facile. Il faut s'efforcer. Il faut vaincre le sommeil. Il faut vaincre la puissance de son doux drap. Il faut se lever. Il faut prendre ses documents. Il faut aller. Un travail n'est pas facile, mais il faut le faire pour réussir et avoir sa place sous le ciel. Ainsi, naturellement parlant, le travail est important. Spirituellement parlant, il est encore plus important. Le Seigneur dit, travaillez à votre salut. Marchez en progression avec Dieu. Et alors, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Quand on ne progresse pas, c'est toujours la même mauvaise langue, le même critique. Quand on ne travaille pas à son salut, c'est toujours les mêmes caprices, les mêmes rébellions. Quand on ne travaille pas à son salut, c'est toujours les mêmes péchés. Quand on ne travaille pas à son salut, c'est toujours les mêmes liens. Quand on ne travaille pas à son salut, c'est toujours les mêmes souillures. Quand on ne travaille pas à son salut, c'est toujours le même caractère. Bien-aimé, marcher avec Dieu, c'est progresser. Amen. Il faut progresser, il faut une transformation. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça va croissant. La lumière des justes, c'est comme le sentier des justes, c'est comme une lumière. La voie des justes, c'est comme une lumière qui progresse. Alléluia. Amen. Et donc, telle doit être la vie de votre vie. Parce qu'il est juste. Parce qu'il est saint.
Dieu. Prenez, Seigneur, voici aujourd'hui tel chemin que j'ai parcouru avec toi. Merci, Seigneur. Si ce n'était pas ta grâce, comment j'allais traverser telle situation? Je comprends le chemin que j'ai fait avec toi. Amen. Alléluia. Ce matin, il faut regarder au chemin que tu as fait. Et si ton chemin n'est pas en progression, il faut saisir l'opportunité ce matin. Parce que la vie contient des opportunités. Et ce n'est pas par hasard que tu es dans la maison de Dieu. Ce matin, saisis l'opportunité de progresser avec Dieu dans ta marche chrétienne. Pour que le Seigneur ne te retrouve pas, à la même place, dans le même caractère, dans les mêmes injures, dans les mêmes malhonnêtetés, dans les mêmes fouillures. Bienvenue ce matin, pour faire un pas en direction de Dieu. Le Seigneur sera glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu, c'est être persévérant. C'est persévérant. Et dans ton marche avec Dieu, 365. C'est pas 300 secondes. Ce n'est pas 365 jours, c'est 365 jours. Donc ce n'est pas 300 secondes, ce n'est ni 3 heures. Ce même 365 ans, c'est-à-dire 50 ans, multiplié par 16, plus 15 ans. Les matheux, vous me suivez? 365 ans, 50 ans, il peut passer 35, 0, 35 ans, plus 15, 365 ans. Ouh, je suis fort maintenant. Et donc, c'est bien cela. À 5 ans de vie chrétienne, on est déjà fatigué. On est déjà fatigué parce que Dieu ne répond pas. Et parce que Dieu ne répond pas, alors on arrête la marche. Alors, bien-aimé, ça c'est bon. Quand tout va bien, alors on reprend la marche. Salut Seigneur, si tu me bénis alors, je marcherai. Mais si tu ne me bénis pas, promets, j'arrête la marche. Alors, bien-aimé, on marche avec Dieu comme une affaire commerciale. Donnant. Ce n'est pas 50-50. Ce n'est pas 50-50. Seigneur, tu me donnes et je te donne. Tu me bénis et alors je progresse avec toi. Non, ce n'est pas cela. Beaucoup suivent le Seigneur à cause de ses bénédictions. À cause de ce qu'il donne. Mais très peu suivent le Seigneur pour ce qu'il est. Sauveur, rédempteur, vainqueur, fils humilié. Beaucoup le suivent parce que il veut de lui une bénédiction. Il veut de lui un diplôme. Il veut de lui un emploi. Il veut de lui une guérison. Il veut de lui un miracle. Mais lorsque le Seigneur vient maintenant, celui qui me suit, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Très peu sont prêts à renoncer à eux-mêmes, à porter la croix du Seigneur Jésus-Christ et à le suivre. Ne le suis pas ce matin parce qu'il te bénit. Suis-le ce matin parce qu'il a sauvé ta vie. Suis-le ce matin parce qu'il a une place pour toi dans le royaume de son Père. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est être persévérant dans l'épreuve. Et le fait d'être persévérant dans l'épreuve,
un accident dans une mine. 40 mineurs ont été ensevelis sous la terre parce que leur galerie a cédé. Elles ont été coincées dans un trou d'air. Mais enfermées dans un trou d'air, si l'air n'est pas renouvelé, il n'aura pas d'oxygène. Et la mort est certaine. 40 personnes coincées dans un seul endroit, comment respirer? Les heures passent, les jours passent, ce n'est pas facile. Le plus jeune parmi eux a commencé à ramper difficilement pour chercher un tuyau d'aération. Donc, sous terre, ramper, c'est sûr que les genoux prennent déjà un coup du sang. Les coudes, du sang. Mais il a rampé, il a rampé, il a rampé à la recherche d'un tuyau d'oxygène. Et sur plusieurs distances, il a vu une petite lumière du jour. Ah! Alors avec tous ses forces, il a commencé à crier, crier, crier. Et le miracle s'est produit. L'ingénieur de mine, les frissons parlent. Il dit alors, écoute, c'est vraiment l'ingénieur. J'envoie une équipe. Je viens bientôt. Ha! L'ingénieur. Tu envoies une équipe. Courage. Je viens bientôt. Ok. Il est venu dire ça à ses collègues. J'ai entendu la voix de l'ingénieur. Il m'a dit. Il envoie une équipe de prendre courage. Il revient bientôt. Plusieurs n'ont pas cru à sa parole. Ils ont commencé à l'insulter bravement. Parce qu'ils n'ont plus d'oxygène. Ils sont fatigués par le manque d'oxygène. Et ils ont faim. Et là, tu dis, l'ingénieur dit, courage, j'envoie une équipe. Je viens bientôt. Ils l'ont insulté proprement. Mais il y a très peu de personnes qui ont cru à sa parole. Et qui sont attachées à cette parole. Courage, je viens bientôt. Et quand l'ingénieur est arrivé, plusieurs étaient morts. Seuls les survivants, c'est ceux qui se sont accrochés à cette parole d'espoir. Courage, je viens bientôt. Ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont cru en nous. Parce que leur dernière énergie, ils ont mis ça dans cette parole. Et cette parole s'est accomplie. Le Sauveur est arrivé. Le Sauveur est arrivé. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te donne la bonne parole. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit tes luttes, quel que soit tes désespoirs, le Seigneur dit. Regarde à ma parole. J'arrive bientôt pour enlever mon église. Et ce que je demande, c'est la persévérance. Continue ta marche. Continue ta marche. Même s'il y a la mort qui te guette. Crois. Je viens bientôt. Courage ce matin. Marche avec Dieu. Le Seigneur viendra à ta rencontre. Sois béni.